Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous refaire une vidéo en fait que j'avais fait il y a très longtemps. Donc, c'était la vidéo sur comment avoir un proxy gratuitement. Donc, cette fois-ci, je vais la refaire. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis sur la page Free Proxy List. Donc, là, on va faire sur le navigateur Google Chrome. Donc, je vais prendre un exemple. Selon les pays en fait. Donc le mieux c'est de prendre tous les proxys anonymes. Donc on va tester celle-ci. Donc après vous allez dans paramètres de Google Chrome. Après vous allez dans paramètres avancés tout en bas. Et après vous cherchez la rubrique ouvrir les paramètres de proxy. Donc vous êtes ici, vous allez dans paramètres réseau. Là vous après vous décodez vous décochez la case pardon détecter automatiquement les paramètres de connexion et vous cochez la case serveur proxy. Donc là j'utilise un proxy, donc là on va changer de proxy. Ce serait ça. Et quel est le port? C'est celui-là. Hop là. Voilà, on va tester. Ok. Je vais aller sur une page. Je vais juste voir si ça marche. Temporairement, ok. Attends, on va aller sur une page de ça alors. Une page de lemonde.fr. Si ça marche, c'est bon. Donc là, j'ai pu me connecter. Ouais, c'est bon. Bah, ça marche. Attends, on va revérifier. Oui, c'est bon, ça marche. Je suis bien. Oui, voilà. C'était une petite exemple sur comment configurer un proxy sur Google Chrome. Donc la vidéo touche à sa fin. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations sur comment configurer un proxy sur Internet Explorer, par exemple, je vous recommande d'aller sur mon blog onnaruto.wordpress.com. Et pour celles et ceux qui aiment faire des achats en ligne, tout ça sur Amazon ou sur les autres plateformes comme Gearbest, je vous recommande d'aller sur mon autre site Internet, notre site web, c'est Your Business Tips. Je mettrai les liens sous les descriptions ou sinon je mettrai en suggestion. Donc alors je vous remercie d'abord et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.